Toujours les soldats qui ont préparé dans chaque mission et les missions de sécurité en Haïti. Il y a des personnes. Ça m'a la main. Thank you.
Voilà, amis internautes, nous avons parlé là, nous au niveau aéroport international. Et là, nous avons des avions qui marquent au milieu international. Et premier troupe Kenya. Premier troupe Kenya qui était venu, c'était 200. Il était venu dans l'avion Kenya. Et bien, deuxième troupe là, l'autre 200, qui a fait 400. Et bien, il est venu dans l'avion ça. Et nous ne connaissons pas l'avion ça. C'est un avion qui. Dans le pays Kenya et nous ne connaissons pas, mais tout simplement, et il a fait atterri là, dans l'aéroport international, tout simplement, et pour capable de porter les policiers Kenya. Nous avons regardé les policiers Kenya qui sont présents, qui viennent accueillir l'autre force et l'autre troupe capable de descendre là, qui est déjà présent. Et nous-mêmes, nous permettons de suivre comment ça lui-même plie. Le portail national, avec l'Afghanistan, c'est le portail lui-même qui le dit. Et puis, M. Damien, nous avons commencé à mettre le pied à terre. Et nous avons pas de
capable de dire que j'ai travaillé avec plusieurs soldats kenyans qui étaient sur le territoire déjà, qui étaient en ligne de l'avion, qui étaient capables de dire que j'ai travaillé avec plusieurs soldats qui étaient en ligne de l'avion, qui étaient capables de dire que j'ai travaillé avec l'avion, qui étaient capables de dire que j'ai travaillé avec l'avion. Voilà, ça c'est soldat kenyan qui descend là. On a regardé et soldat kenyan qui fait qu'il descend. L'autre descend qui était pour venir, qui fait qu'il arrive là. Meni. Voilà. Alors nous avons commencé le tour. Et dans le premier de la capacité, après ça, nous avons fait près de 200 et agents kenyan. Voilà, c'est regarder, on a regardé comment les militaires kenyans ont fait qu'arriver là. Il y a descendu l'avion là. Voilà. Alors, pour les agents kenyans, on a fait un gaz qui a fait à tirer sur un cacajac. Et bien, les agents kenyans ont fait un gaz qui a fait un gaz. Et bien, on a fait un gaz là. Et c'est notre série de 200. Voilà, c'est ça, on a regardé les soldats kenyans qui fait arriver dans l'aéroport là. Et on a regardé les cap descendre. Pas oublier le premier troupe qui était venu, dans l'avion kenyan, deuxième troupe qui est venu dans l'avion ça. Nous ne connaissons pas l'avion ça, qui est l'avion lié. Est-ce que c'est l'avion pays kenyan? Nous ne connaissons pas, c'est marqué Omni Air International. Et nous ne connaissons pas qui est l'avion, tout simplement. Et descend qui était venu première fois, c'est un avion qui est venu. Mais l'autre descend qui a privé là, et venu dans l'avion ça. Et j'en vois regarder là, et descend qui va descendre là. Et plusieurs autres soldats qui viennent accueillir, et l'autre descend qui va faire 400 soldats kenyans, soldats kenyans qui déjà arrivés sous sol. Pas à des salines. Une autre fois encore, et une autre fois encore, personne ne connaît les raisons qui font les soldats déployer comme ça. Parce que en plus, on estime et en plus, on voit tout. Et négocier Péguiville, Pétionville, La Boule, c'est là où on a sécurisé. Et c'est l'ambassade. C'est l'ambassade américaine qui a sécurisé. Il faut nous dire que le dossier a fait oubli, BAI lui-même a fait tout ça possible pour aider JF et justice. Et ensuite tout, pour porter une leçon, on a souci pour reconnaître la presse comme quatrième pouvoir. Là que nous avons dit ces métiers, nous, pour ne pas avoir aucune intimidation, pour ne pas avoir menace, pour ne pas avoir menace dans le cadre de nous.
Et m'a tout profité de chaque confrère qu'on servit là, le conférence là. Et toujours aimé dire. Et quand force à courage parce que je n'ai pas, c'est lui-même qui transforme la caméra pour la même mort. Très bien. Et donc, quand même, nous bien content. La presse t'a vraiment représenté. Objectif conférence pour la presse, c'est pour BAI et expliquer avec la presse. Nous disons la presse et avancement et dossier tentative d'assassinat qui était fait sous journaliste Jean-Jean Mac dans la 8 février et par un groupe de policiers et qui était dans une patrouille, dans une machine, on identifie la machine, et nous avons identifié les gens qui ont donné. Et je vous dis, nous avons déjà porté une plainte là-devant et au côté BAI. Et nous avons déjà sommé la police, malheureusement, nous ne sommes pas avec Mme Lagnon-Kidat, pour nous dire la police, pour le dire et publiquement qui gaz, ou bien pour dire nous qui gaz, il y a utilisé et qui niveau nocif, nocif parce que nous gardons et OMS qui travaille sur la question. Il dit qu'il y a des gaz à courant qui ne sont pas utilisés. Et contre des gens qui ont manifesté. Et il dit tout. Gaz à courant, je ne peux pas voir la guerre à terre, voir le côté. Et bien, côté de la guerre, quand on est en Haïti, et bien, l'entrée est en réalité en bas de la guerre. Et puis, on passe le pied. Et puis, c'est mon sac qui est inhalé. De même, qui bat la manifestation, qui par la suite est inhalé. Donc, son bagage qui est très dangereux. Moi, nous tout pour nous prendre plaisir, nous qui avons gratté sur nous. Et bien, il y a tout le monde qui a fait dans parce que sont des manifestations, sont des. Ce n'est pas un acte de citoyens, mais sont un bagage pour nous faire bordel, pour nous faire politique lié. Mais nous, même dans le BAI, nous ne pas pour ça. Et deuxième partie de la conférence, c'est pour nous, et la position BAI. Sur la situation et conjoncture, nous l'a dit, politique actuelle. Donc, nous, là, avec JJM, nous avons pris d'abord le palais, parce que c'est le victime de l'essai et construire nous. Donc, JJM est parlé avec. Après ça, on est aussi à Gaïe. Parce qu'en réalité, depuis que nous avons encore encore, nous avons négocié, surtout dans la question pénale, on a dit qu'on ne peut pas gagner. Ou pas négociant. Et Néhémie Joseph, c'est pas famille. Nous nous disons, nous parlons, c'est la Tibonite, direct. Donc, nous assistons Néhémie pour la dossier, nous assistons madame. Et depuis le juge sont révélés, et nous assistons lui. Et je vous dis, le dossier est dans, et nous faisons appel sur lui. C'est le royaume où nous travaillons avec des avocats qui sont dans ce centre-là, mais qui pour vu ce problème de sécurité, mais toujours est-il, nous sommes avocats et Néhémie Joseph, de madame Néhémie. Et qui n'est pas journaliste et qui est victime, parce que nous qui nous sommes cabinet d'avocats droits humains, et bien depuis droit humain, depuis droit monde, et d'un coup droit. La presse doit qu'on informe le monde. Ouais, doit qu'on nous donne une bonne information. Et ça fait les gens ont menti et nous détruit et nous violons les droits humains et tout. En quelque sorte, parce que nous avons une mauvaise information. Ça fait que nous devons faire attention, nous journalistes, pour nous donner une bonne information qui permet de comprendre qui vient politique pays. Et JGM dit nous avons un dossier. Avancé. Depuis là, nous avons reçu le bois JVM, nous disons pas, et nous avons pris un dossier dans le menu. Et l'avocat a continué. Donc nous avons travaillé et nous travaillons, mais nous faisons le premier job, nous avons fait ZAC. Et donc le premier ZAC préalable que nous faisons, c'est
généralement, c'est toujours un fair play entre deux cabinets d'avocats ou bien entre deux avocats. Lorsque il y a un client, parce qu'il y a des droits, c'est ça, nous ne pouvons pas dire. Il y a des droits qui quittent le dossier. Il y a des droits qui sont libres, les victoires de l'autre côté. Ou bien tout, il va vous copier, il va vous dire que le dossier n'est pas continué. Et là, ça va y avoir un autre bagage pour mettre le dossier. Et c'est ça le principe métier. Mais là, même avant qu'on recevra le dossier, il faut qu'il y ait des réflexes. Par exemple, si elle vient avec tout le dossier à l'homme, ça veut dire, et mais il n'y a pas de problème avec l'avocat, ça veut dire payer avocat. Mais même là ça, ou même pour avocat, réflexion de l'effort que les avocats pour demander est-ce que les clients qui viennent côté maintenant, est-ce qu'il a quitté avant? Et c'est une barrière, c'est une barrière dossier, ou bien est-ce qu'on est en état? C'est-à-dire, est-ce qu'on touche? Donc, là, nous avons un dossier, nous choisissons, pas on le voit, si on voit qu'il utilise tout, nous dit, et nous avons ça, et que nous sommes courriers, nous sommes avocats, j'ai dit. Lorsque nous avons reçu par la suite, ça nous est allé dans la radio. Et nous avons fait ça. Le 21 mai, ouais, nous sommes 2004 et 2004 là, et pour nous dire, avocat, bon, ni monde, par exemple, dans une inspection générale, parce que c'est de la déposer, mais la consulter là toujours, et ni dans la direction départementale, ni dans la direction de la police, nous disons c'est nous avocat. C'est une tentative pour que le monsieur toujours, et même si on s'est comprimé dans la police, je déclare pour que le JM, mais JM comprenne bien, il n'est pas allé. Et puis, et pour hier, nous gagnons depuis le 10 juillet 2024, nous gagnons une plainte qui portait dans l'inspection générale dans quatre dossiers JGM. Pour y avoir tant de ballons en pied de l'inspection générale, il y a pris tant de ballons, on va tourner pas tant de noms. Mais, parce que c'est, ça, c'est une partie. Et c'est parti qui va nous donner information. Mais parti qui va faire justice, non, c'est le tribunal. Et nous avons déjà parlé. Et quand nous sommes côté, maintenant, nous avons fait nous prenons le tribunal là, l'hypothèse pour JGL. Mais tout, à côté de plainte qui là, mais nous informer au sein du monde, au niveau international, pour faire reconnaître que, et même ça va passer avec le journaliste en Haïti. Et il y a un reporter sans frontières, qui est représenté par Elena Gracia. Nous avons un comité pour protéger les journalistes, qui est représenté par Valentine. Il y a un International Press Institute. IPI, ou bien IPI, qui est représenté par Ami et Boulière, donc c'est le nom qui est bénéficiaire. Nous avons tout et World Association of Newspapers and News Publishers. Donc, nous, en gros, nous avons écrit 12 instances internationales pour nous faire connaître, attirer l'attention sur ça. Pour faire parce que, et, y compris la Commission interaméricaine des droits humains. Donc, et, nous voyons là, et pour nous dire, mais ça va passer là, avec la police nationale, qui c'est le prédateur des journalistes. Liste journaliste à l'homme, qui nous compte ça. Donc, et, nous déposons maintenant, et nous allons déposer peut-être pour le tribunal là. Et pas trop longtemps parce que nous avons déjà parlé pour nous faire ça. Deuxième point, c'est ça nous la position BAI. La position BAI, mais c'est parler, n'a parlé à masse. Par rapport à ça qui arrivait et après le départ en réel. Il y a eu un problème de cette tête. Ou le CPT qui a siégé, qui a
manger l'argent l'État et qui a couru mon téléphone sans faire rien. Et c'est des flâneurs, y est. Et donc, le Premier ministre qui est venu, le Premier ministre là, il n'est pas jamais venu, nous, on me dit, on fait tout. Pour plein ici, qui était candidat pour le Premier ministre, tant pis. Et ces candidats blancs, qui n'ont pas même venu devant des visites. C'est vrai qu'il y a Zoom, non, mais quand même, et c'est Haïti, M. Tédoué, même si on fait pour le peuple, il a fait le poulet, il va faire le prix, il est le Premier ministre. Et nous avons conseillé Mounsayo un coup d'être choule, un coup de monde qui va gagner couille, qui va gagner, c'est le rester avec, et qui a pris tant de pouvoir nommer les États-Unis. Et nous, ouais, tous les gens ont rampé, certains d'entre eux, pour arriver dans le CPT. Nous prenons acte et nous demandons pour que Massio prenne acte. Mais c'est pour nous dire tout ça qu'a fait là, pas de rien pour être avec. Et j'aime toujours dire, c'est le peuple-là qui vous sauve le peuple. C'est Massio qui vous sauve Massio. Il y a deux plans et tout va à l'école. Donc c'est ça que là, la fait plaisir avec les États-Unis, mais pas aux Haïtiens. Et les nous considérer action ont commencé, bon, pas des actions vraies, des bagailles ont commencé à faire. Par exemple, ils ont parlé, ils ont dit à commencer pas grave. Mais nous voyons tout. Pendant que c'est pas là, il y a des gens, ces négociations avec pour négocier avec Bandio. Alors que le gouvernement a l'autre posé. Il va dans le reste avec Bandi, il va dans le grain avec Bandi, ouais, et n'a tout les Bandi. Ouais, mais il n'y a pas, et il y a des gens en bas, Charles, qui n'ont pas là. Tout ça, il y a besoin d'arriver dans l'élection. Pour dire, et on prend un petit classe. Et capacité, monsieur, il va y avoir capacité. Par exemple, si vous pensez, c'est SPN, le Premier ministre, son médecin, bon, ça veut dire, et il y a un médecin qui défait, et ça veut dire, et sécurité, qui est condamné. Il y a un médecin qui défait ça. Mais, monsieur, c'est santé publique qui fait. Même Carlos Ekul, l'ancien bâtonnier, lui-même, j'entendais la parler sur la question de sécurité par la police. C'est le deuxième homme. Et troisième homme, qui c'est Sandrine Intérieur, eh bien, lui n'a même pas reconnu, lui-même, qui n'a pas aucun métier dans la question de sécurité. Et qu'en est-il du. Et DG la police. Donc, non, ben, c'est Rameau. Nous avons tout le monde dit, comme ça, nous avons des fois, nous avons besoin de nous payer, nous l'organiser, nous. Et nous avons quand même tout pareil pour nous. Et nous disons, Rameau, par contre, nous avons tout causé ça. Rameau, son bon policier. Mais n'oubliez si Rameau était déjà là, dans le même problème, non, là déjà. Et nous, d'accord, et les rameaux qui sont dans le DCPJ, ils étaient bas résultats. Même s'ils étaient maîtres. Mais, en tant que DG, rameaux ne peuvent pas remettre rien. Et bien, ils ne peuvent pas remettre rien. Et de fait, ils sont mal partis. Parce que nous connaissons que c'est. Il commençait par attiboiser tout pour l'état-major. Il voulait tout en aux abois. Peut-être que vous avez avec eux, mais vous ne pouvez pas gagner de réponse. Qu'importe, administration, il faut gagner mémoire, administration. Il faut gagner même si vous n'êtes pas en mémoire,
même si vous êtes ennemi, mais vous êtes en administration, il y a un peu pour mettre de nouveau monde. Laissez-vous pas recommencer. Vous ne pas recommencer. Eh bien, c'est nous recommencer à mourir. Les affaires, pourquoi action est mal trouvée et puis gagner à prendre plus de terrain. Et tant que vous graissez, et vous sentez monsieur à l'aise, vous n'avez pas de problème. Et il y a ferraillé dans la timonie. Et il y a ferraillé en bas de Péris. Et tout partout. Et monsieur est arrivé bouclé. Et là, très difficile pour nous commencer. Et depuis Matissan, on peut me porter le regard, il n'avait. Et pour y déclenchériser et pour y arriver, nous sommes d'accord que monsieur Gagnon, il y a des gens qui ont besoin d'instruction. Et ou bien tout, pour ne pas minimiser la capacité, il y a de bonnes capacités, nous entendons Jimmy Chérusier avec vous. Il y a de bonnes capacités et pour organiser, pour avancer. Et de fait, ça vous fait mettre l'État dans une situation de faiblesse. L'État obligé en catimini à voyer des gens qui ne sont pas crédibles, des gens qui habituent à nager dans de l'eau courbe,